Permettez-moi de prime abord de remercier Madame la Maire pour cette première invitation, pour m'adresser, disons, pour quelques phrases en politique. Cette présentation, en fait, s'inscrit dans un cadre de la politique de communication de la France. Je dis, de la travailleur, nous allons la travailleur par l'énergie, par la première des décisions de la collaborateur, la gestion de la communauté, sur la télé, la société de la base, la télé de l'accès. Et l'objectif, en fait, c'est de nous faire explorer ce que nous sommes en train de faire contre la mandate. Ce que c'est finalement aujourd'hui tout est possible. De la manière dont on le fait, dépend énormément de la politique de l'éducation de la France. Donc on veut. Ce que vous êtes en train de voir avec ces éminents et les fusées de mon moment, vous êtes en train de voir que c'est sûr, disons, la dernière qui est la valeur de la télévision. Et probablement, vous avez été, bien entendu, à la France, à l'autre. Donc, nous avons appris cette présentation en tant que la politique monétaire. Pour agir sur l'activité économique par la régulation
C'est ça. Elle est définie également par les économistes pour décrire les différents modes de gestion de l'offre de monnaie dans une économie. Et en fait, la conduite de la politique est intimement liée à la gestion et à l'équilibre de l'économie. Vous allez voir, d'ailleurs, finalement, tout, finalement, c'est le but à ce sujet. La gestion de l'électricité peut atteindre la qualité assignée à la politique. Alors, par rapport à ce caractéristique, justement, la politique monétaire. Elle se caractérise, en premier lieu, par un multiple, c'est ça, généralement, accepté un peu partout dans le monde, il y a des exceptions, mais généralement, on assigne à une banque centrale un objectif prioritaire, c'est ce qui est c'est le maintien de la stabilité de elle se caractérise également par une autorité qui est responsable, disons, de la conduite, c'est l'autorité monétaire. Généralement, c'est la banque centrale. Et puis, elle se caractérise également par l'instrument principal utilisé dans la conduite de la politique monétaire, qui est le taux d'intérêt, on parle souvent du taux directeur et il y a d'autres taux, mais le principal taux dont on parle le plus souvent, c'est le taux d'intérêt, le taux d'erreur. Et pour atteindre ces objectifs, la Banque centrale dispose généralement d'un éventail d'instruments. Voilà. On parle disons, d'opérations principales de financement, on parle d'opérations entrepreneurs, on parle de facilité permanente, de corridor, et on parle de la réserve solidaire. Et justement, par rapport au sujet de la stabilité des prix, il y a un lien en fait que les banques centrales, disons, ont tout le temps conservé. C'est le lien entre la monnaie et l'inflation. L'inflation, disons, vous savez, certainement, dans pas mal de pays, il y a des objectifs, disons, fixes. Et justement, on veut ici donc, se référer à cet éminent économiste, Dupin, qui a dit que l'inflation a créé une zone déréglée économique différente. Ça, aussi. Donc l'inflation est tout doux et pas tout. Un phénomène monétaire. Il a dit également qu'il m'a après une crise de justice, dans le soin, et dans le soin, sometimes, pas dans le soin, et d'ici, il a dit, not change the time, can destroy society. Donc l'inflation est une maladie, si elle n'est pas dans combattu à temps, elle peut devenir dans une maladie. Et justement, pour expliquer un peu ce discours, cette relation entre la monnaie et l'inflation, j'ai emprunté le graphique de la résultat de la Banque centrale européenne. Dans le graphique de gauche, là c'est la relation entre croissance monétaire, l'axe du graphique, et l'inflation, l'axe. Désolé, on voit ici, c'est une revue à deux fois, donc c'est le fait. Donc il y a une relation, vous voyez quand la nationalité évolue à un niveau élevé, vous avez une inflation plus élevée. Et nous avons également comparé une autre graphique, donc qui essaie un peu de lier un peu la croissance de la monnaie avec la croissance, ou l'inflation plutôt, avec la croissance. La monnaie avec la croissance économique. Et ce qu'on voit ici, s'il y a une relation, disons, une forte connexion entre monnaie et inflation, ce n'est pas le cas pour ce qui est, disons, de monnaie et croissance. C'est-à-dire quand vous allez injecter des liquidités usées de la planche à l'huile, vous n'allez pas récolter en fin de temps, disons, une relation plus élevée.
nous avons également essayé de montrer ce qui se passe un peu en plus sur une période, disons, un peu plus de 20 ans, depuis 1970, quand on a mis en temps, dans le jeune époque,